Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Corentin412, j'espère que vous êtes tous super bien, en tout cas moi c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va jouer avec un deck full squelette. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement, me direz-vous. Et ben en fait, certes ça a été fait avant le deck full squelette, mais en fait grâce à la mise à jour qui nous a apporté les gardes, on peut se faire un deck full squelette, 100% squelette. Regardez le deck que je viens de créer, il n'y a pas une carte qui n'est pas un squelette, hormis peut-être la sorcière et la pierre tombale, mais ça fait quand même apparaître des squelettes. Donc c'est un deck à 100% squelette, et j'avais envie de vous partager ce deck, et pour qu'on fasse un défi totalement what the fuck, donc n'hésitez pas à poser un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo avant de la regarder, et parce que ça commence tout de suite, et j'espère vraiment que ça va te plaire. Du coup, le programme, c'est qu'on commence par un replay où j'ai fait un gameplay totalement fou avec un mec de mon clan, et après on va aller tester ça avec un autre mec qui a un deck tout simplement génial à base de gobelins et de squelettes. Ça va être super drôle. Je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti, on va aller regarder le replay. De retour pour le replay, c'est parti. On est contre RTRT de Le Royaume, donc dédicace déjà à tous les membres du Royaume et surtout à toi. Donc voilà, nous on est avec notre deck full squelette et on espère faire un gros carnage, ça va être épique cette vidéo. En plus on a pas mal d'épiques hein, dans ce deck, hein. Je crois qu'on a 5 épiques sur 8, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc moi je fais ma petite offensive avec le géant squelette et je mets une sorcière derrière et je vais rajouter un bombardier pour, comme ça il y a le tank, quelque chose qui fait des squelettes. Et un truc qui fait plein de dégâts. Et là, vous voyez, on a totalement niqué ces barbares. Du coup, ça s'annonce très bien pour nous. Malheureusement, il met un gel accompagné d'esprit de feu. Donc, ça va nous niquer nos troupes derrière et notre géant squelette. Mais c'est pas grave. Comme notre géant squelette a atteint la tour, ça nous assure 800 points de dégâts sur la bombe qu'il a lâchée. Donc, ça, c'est vraiment très bien. On va voir comment se déroule le reste de l'attaque. Mais pour l'instant, c'est plutôt en notre faveur. On a réussi à lui faire une belle offensive avec notre grand squelette. Et du coup, je pense qu'on va en recommencer une. On va voir comment il joue. Donc voilà, donc on a notre grand squelette de près. Qu'est-ce qui va se passer? Et là en fait il met une cabane de barbares, du coup directement je me dis, mais en fait on a l'avantage de l'élixir, du coup on va balancer un ballon pour voir ce que ça fait. J'avais raison, il n'avait que 4 élixirs, et si vous regardez son deck, il n'avait rien pour contrer mon ballon. Du coup, c'était très bien pour moi, et sa seule opportunité, bah, c'était de commencer à faire des dégâts sur l'autre tour, parce que là il était vraiment mal. Et mon ballon qui continue à faire beaucoup de dégâts, donc c'est très très bien, on arrive à bien descendre sa tour, et le géant squelette qui arrive pour faire des dégâts juste derrière, donc ça c'est juste génial. On continue du coup, voilà, sa tour qui est à 1600 mais qui va descendre bien plus bas grâce à la bombe mortelle du géant squelette, donc ça c'est vraiment super bon pour nous. Sa tour qui est à 550, maintenant on attend l'occasion pour mettre un ballon ou un géant squelette, on va voir ce que l'avenir nous dira. Et juste après on va faire un gameplay en live totalement épique. Là je vois qu'il balance ses barbares et je suppose qu'il n'a plus beaucoup d'élixir. Je balance un ballon et on va très bien voir comment ça va se passer. Attention, le ballon va-t-il détruire la tour? Vous le pensez, vous le devinez, nous faisons un 3-0 sur ça, c'était totalement fou, je suis super content. Maintenant on va aller dans le clan. On va aller mettre un petit message et on va voir si on peut faire ce petit combat en live. Voilà, je donne des troupes parce que je suis généreux. Je dis flinguer. Go. Voilà. Il a intérêt à répondre. Et on va. Du coup, voilà, le deck qui est là, hein, je crois que je l'avais montré en début de vidéo. Voilà, c'est parti. On est parti pour ce petit combat en live. Lui, il joue un deck à base de gobelins et de squelettes. On va voir tout de suite ce que ça va donner. On va commencer avec une offensive géant squelette, hein, qui est très très fort. On l'avait vu dans la dernière attaque, il avait fait un bon gros carnage. L'élixir est maxé, c'est parti. On pose notre squelette géant. Bon, il met des petits gobelins, j'ai envie de dire. Pas grand chose à faire, je sais pas si c'était même utile de mettre des squelettes parce que franchement, voilà, franchement, c'était pas vraiment utile, je pense. Ça nous a juste gâché un peu d'élixir, alors je sais pas du tout ce qui va nous sortir, mais en tout cas, on construit une offensive plutôt belle. Ok, il fait le choix du baril de gobelin, et franchement, on défend bien. Regardez notre bomber qui fait beaucoup de dégâts, il met les gardes, c'est très très fort, ça va nous tuer le bombardier, c'est pas grave. Regardez, peut-être que le géant squelette va arriver à sa tour. Oui, il arrive à sa tour, la sorcière, pardon, qui fait plein de dégâts derrière avec tous les petits squelettes. Ça c'est génial, petite erreur de connexion, ça par contre c'est pas cool, mais c'est résolu. La sorcière, elle fait beaucoup de dégâts, c'est génial ça. Oh, on va peut-être lui faire tomber sa tour. Ah non, 36 PV, dommage. Ok, on est max en élixir, on va juste défoncer un peu ça, et après il faudrait qu'on aille à sa tour, donc vous savez quoi, on va mettre des petits squelettes en plus, hein, et j'espère que ça va faire tomber cette tour. Non, on va mettre une sorcière en plus,
pour s'assurer de faire cette première étoile dans cette partie. Et après, on va peut-être essayer de faire une deuxième étoile, mais pour l'instant, on a vraiment l'avantage, donc ça, c'est cool. Le bombardier qui a juste à mettre une seule bombe, va-t-il mettre cette bombe? On l'attend. Il la lance, c'est parti, yes, ok. Nickel, on a fait une étoile. On va mettre une pierre tombale qui est vraiment un très bon contre le géant squelette, puisqu'en fait, ça va le ralentir beaucoup. Mais voilà, la sorcière qui est aussi à elle, très très forte. Vous savez quoi, on va mettre des gardes, hein. Allez hop. Aïe aïe aïe. Armée squelette. Moi aussi j'ai une armée squelette. Boum. Ouf, ça s'annonce pas vraiment comme je voulais. Ok, tout va bien. Le lag, c'est très le lag. Aucun problème. Aucun problème, le lag ne nous atteint pas. On est presque enfin, on descend à moins de 1000 PV. Ok, bon bah le. Ouf, double feu à gobelin, bah bien joué. J'ai envie de dire, bah la tour qui est à toi, on sait très bien qu'on peut pas la défendre. On va voir ce qu'on peut faire du coup de ce côté. Voilà, j'essaie de mettre plein de squelettes. On va mettre des gardes en plus, allez, c'est parti, on va mettre des gardes. Aïe aïe aïe, le géant squelette qui va nous faire très mal du coup. Qui va tout simplement bah, nous niquer. Nous niquer toute notre offensive. C'est pas grave, on tente une offensive avec un ballon pour voir ce que ça va donner. J'aimerais bien qu'il mette juste une bombe. Mets juste une bombe, mets juste une bombe, allez, mets-la! Yes, il l'a mise. Il me semble qu'il a mis une bombe, du coup, ok. Encore un géant squelette de sa part. Mon géant squelette qui va mourir. Et on refait une offensive, c'est parti, allez, on est des malades. Nous, on veut la deuxième étoile. Allez, c'est parti, on va balancer des gardes de ce côté-là pour distraire un peu. Des squelettes. Un bombardier. Oh zut, j'ai balancé mon bombardier là. C'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas grave, son géant squelette qui nous embête un peu quand même, on va pas le cacher. Ouf. Et sa bombe qui nous fait très très mal. Sa bombe qui nous fait très mal. On tente une offensive au ballon. Le ballon va-t-il faire des dégâts? C'est la question du soir. Il met des petits gobelins. Je pense qu'il n'avait pas de carte pour le contrer du coup. Ok, le ballon qui va faire quelques dégâts. Il met une bombe. S'il pouvait en mettre deux, ce serait juste top. Il n'a pas réussi à mettre deux deuxièmes bombes. Aucun problème, sa tour est à 840. On commence à gérer un peu plus la partie là. Et là, on pose notre géant squelette pour faire un duel géant squelette vs géant squelette. Ah non, on va pas le faire finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en fait, là, comme regardez, la tour défend vachement bien. En fait, on va juste poser une armée squelette et faire un gros push sur le côté gauche. Malgré le fait qu'en fait, les gardes vont un peu contrer. Mais franchement, la sorcière est super bonne sur ça. On va mettre les gardes pour protéger la sorcière tout simplement. Et mettre un bomber pour faire un maximum de dégâts. Je voulais pas le mettre là à la base, mais ça passe quand même. Mais le bomber qu'il a là avec l'armée de squelettes fait un maximum de dégâts. Par contre là je vais attendre un peu avant de mettre l'armée de squelettes. Voilà. Et du coup. Et malheureusement l'armée de squelettes va un peu se faire tuer par la bombe. Et pas du tout en fait. C'est mieux que ce que je pensais. Et là je pense qu'on va réussir à faire quelques dégâts. Puisqu'en fait, voilà, le bombardier déjà a fait quand même pas mal de dégâts. On va voir ce que ça donne, ce push avec le géant, mais pour l'instant ça se profile plutôt pas mal. Mais vous voyez c'est quand même très serré, il reste que 1 minute 40. Est-ce qu'on va avoir un gagnant à la fin de cette bataille? Je ne sais vraiment pas encore. Je suis stressé, alors qu'est-ce qu'on va poser après? Il faut qu'on fasse une offensive au ballon, parce que c'est vraiment super fort ça. Mais s'il a de quoi la contrer, ça va pas le faire. Je sais pas ce qu'il pourrait mettre pour nous la contrer, les petits gobelins, ça fait partie des choses qui nous la contrent. Ah, deux trucs de petits gobelins, ça va passer. Et si ça passe, yes! C'est bon, on a réussi, on a mis 2-1 avec ce deck full squelette. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce deck vraiment cool. N'hésitez pas à poser un like et me dire si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme ça. Avec des decks assez what the fuck, ou même encore avec le deck squelette, on sait jamais. Du coup, on va se quitter ici. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Le pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, surtout c'est le plus important. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Corentin 92. Tchuss!